Bonjour. Cette vidéo sera un mélange de colis mystères et de trouvailles de vide-grenier, puisqu'aujourd'hui, on va regarder en détail ce que contient le gros lot de cartes Pokémon achetées en aveugle au vide-grenier de la semaine dernière pour seulement 25 euros. Tout se trouve dans ce sac et j'attendais de tourner cette vidéo avec grande impatience. Comme ça, on va pouvoir voir si j'ai fait une superbe affaire ou si je me suis fait pigeonner comme un rat mort. Quand j'ai acheté ce lot, bah, j'ai fait exprès de ne pas regarder en détail ce qu'il y avait à l'intérieur pour garder toute la surprise lors de cette vidéo, et peut-être qu'on va dénicher une superbe pépite comme le précédent lot de cartes. Bon, j'ai pas payé aussi cher, c'était 3-5 euros un petit lot de cartes de cette taille là et j'avais récupéré deux très belles cartes que je vous représente: Alakazam Obscur ainsi que le Pikachu volant de 2009. Au vu des états, j'ai estimé ces deux cartes pour environ 40-50 euros les deux, ce qui m'a largement remboursé le lot. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce gros lot. Attention, ce gros lot n'a pas été payé 3-5 euros, c'est 25 euros, je vous rappelle. C'est un prix assez conséquent, mais en y repensant, c'est le même prix qu'un coffret Pokémon trouvable en magasin. Donc c'est avec une jumbo, une ultra promotionnelle, ainsi que 4 boosters. Ça va être la grande découverte. Alors nous avons ici des jumbo. D'ailleurs, ce qui m'a poussé à acheter ce lot de cartes, la quantité de cartes qui se trouvent dans ce lot, et également des Pokébox de chez Duo de Choc. Je la trouve magnifique et ça m'a un petit peu donné envie d'acheter tout le lot et d'essayer de voir si on va choper des très très belles cartes. Ou peut-être que le gosse qui m'a vendu ce lot a déjà récupéré de son côté toutes les ultras. C'est tout à fait possible. Une Pokébox remplie, une autre petite Pokébox à moitié remplie. Ça c'est une autre Pokébox avec 2-3 cartes à l'intérieur. Là on a, à mon avis, ça doit être des cartes Panini de la Coupe du Monde en Russie. Voilà. Il y a rien d'autre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait dedans. Mais ça signifie qu'il y a quand même beaucoup de cartes. À mon avis, si je pars sur 10 centimes la carte, de bien avoir plus de 250 cartes à l'intérieur. Bon, alors maintenant, c'est parti. On va commencer par quoi? On va commencer par une Pokébox ou on va commencer par la grosse boîte, la boîte de cookies? Oh, si, regardez. J'ai une carte de foot ici. En même temps, on va essayer d'estimer les belles cartes. Et on va les trier par rareté. Commune, peu commune, rare et également ultra rare. Et je mettrai également de côté les reverse et les rares holo. Nous commençons avec les deux jumbo. Avec une jumbo des squads, donc des Celliard et de Noctunoir. Celle-là, au vu de l'état, je dirais 4-5 euros. Et concernant Dragmara, oui, Dragmara X, malheureusement, elle est plus abîmée, elle est cornée de ce côté. L'arrière, bah, elle a quand même bien morflé sur le côté haut gauche de l'arrière et même le bas gauche. Donc je dirais, celle-ci, c'est à peu près 2 euros. Alors déjà, on a déjà pour 6-7 euros juste les deux jumbo. Comme j'ai acheté ça en aveugle, bah, j'ai pas retiré les cartes de foot. Ah bah si ça se trouve, Il y a peut-être des ultras là-dedans. Il y a peut-être des cartes qui valent plus que le Alakazam Obscur que j'avais récupéré la dernière fois. La totale découverte, c'est ça qui est cool. Et vous, de votre côté, vous en êtes tous au niveau de votre collection cartes Pokémon. Est-ce que vous avez acheté les derniers coffrets, hein? Enfin, je veux dire les tripacks, voire une display d'origine perdue. Moi, de mon côté, j'ai reçu une commande où j'ai... Oh, 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 eh ben dis donc, là, ça commence bien. Oh, on a un beau Dracaufeu. Oh, la belle surprise pendant que j'étais en train de trier. Oh, ah, ça commence bien, là. Ah, 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 c'est nickel. Attendez, il faut juste que je fasse vite fait ce petit tri-là. Attendez, c'est quoi, ça? C'est... Ah non, c'est... Ah zut, je pensais que c'était une ancienne première édition, mais non, c'est une réédition XY Evolution de 2016. Ouais, mais ça, récupérer ce genre de carte, c'est vraiment cool. Oh, non, mais tout ce qui va avoir là, tout ce que je vais devoir trier... Sortez les popcorns, au moins, la vidéo va durer assez longtemps et vous allez être satisfait de pouvoir regarder des vidéos qui durent dans le temps. Ouais. Comme ça, vous prenez votre petit déjeuner... vous préparez votre repas ou vous bossez sur vos études ou vous êtes au boulot et vous m'écoutez en train de déblatérer des petites conneries à droite à gauche en essayant de critiquer les Pokémon moches comme des balais à chiottes, ainsi que ma frustration et surtout ma gaieté si je récupère des cartes de foi. Ah non, c'est encore une réédition de 2016. Là, voilà une autre belle carte. Le Macogneur en reverse. Rare, c'est bien ça. Attendez, les cartes que j'ai vues, je vais les mettre ici. Alors, hop, hop, hop. Ouais, bah, comme par hasard, j'ai commencé par la boîte à sandwich dégueulasse.
Non mais s'il y a oui, je peux peut-être tomber sur un Dracaufeu de XY Evolution, la réédition, puisque je suis tombé sur un Dracaufeu. Bon, c'est pas le même Dracaufeu. Ça va être joyeux, très très joyeux. Alors, nous allons commencer avec Civière. Alors, énergie, je mets là-dedans. Statistique, toujours, je regarde... bon, après, les communes et les peu communes, je vais les mettre en même temps. Bon, tu sais quoi, je vais tout mettre là-dedans. Alors là, on a quoi? On a Arcanin. Et elle est assez abîmée, Arcanin, je trouve. Là, on a Oupa qui est... Oh, c'est une holo. Hop, rare holo, je la laisse là. Là, c'est coup de langue. Tac. Ah, ça va être long. Ah, oh, ça va être long, mais ça va être long. Waouh. Alors, attends, persan. Ça, c'est une rare. Ensuite, nous avons Brutalibré. Amagara. Alors, ça, c'est de la merde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons Clitikit, qui est une rare reverse. Ça va là-dedans. Ça ira dans la collection. Oh, chez l'ours. Qu'est-ce qu'il était balèze, ce Pokémon. Oh, on me l'avait conseillé. Trop bien. Alors là, on a donc des petites cartes tranquilles. Chelours. On a Dodrio, Elekebol, Grelasson. Ah, les XY Evolution, je vais les mettre dans un coin aussi. Alors on a Chenipan. Là, je vois une belle carte juste ici. Chenipan, Teria. Ça, c'est quoi? C'est Grolem. C'est une rare, mais putain, qu'est-ce qu'elle a abîmé. Des énergies à la noix. Ouh, Dardanian. Bon, c'est une reverse de chez XY Evolution. Tedurcia. Ouh, Trio Picker. Hop, XY Evolution, ça va là-dedans. Toi, tu vas là. Tac, tac. Bon, je les retourne pas parce que c'est... Oh ! Lien spirituel de Dracaufeu. Les lettres de Poudlard. On a... Ah, ça, c'est XY Evolution. De toute façon, ça se reconnaît au design. Ça, qu'est-ce que c'est que c'est? Guerraigle, Persian, Miaouze, Boustiflore. Par contre, je remarque qu'il y a certaines cartes qui possèdent des protections. Donc, il se peut que dans les protections se trouvent les plus belles cartes de ce lot. On va voir ça en temps et en heure. Bon, Clem, qu'est-ce que c'est que cette carte? Bon, énergie, tac. Oh, bah tiens, regardez. C'est un skip sur les... C'est une rare holo. Non, rare reverse, pardon. Et tac, je vais la mettre là. Les reverse classiques, je vais les mettre ici. Alors, tac, 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 Colossin, le classe. Fan club Pokémon. Énergie, énergie, énergie. Tierno. Non, ça c'est énergie. Tac, tac. Bon, pour l'instant, c'est des petites cartes. Oh! Ça, c'est XY Evolution. Oh, magnifique Pikachu. Regardez, on a un Pikachu Reverse. Ça, je vais le mettre de côté. Parce que c'est Pikachu. Simiabraz en Reverse ou en Holo? C'est une Holo. Allez, hop, ça va là-dedans. Galopa, Métang, encore des énergies. Une petite goutte. Professeur Chen. Et ça, c'est Quatox. Quatox qui est une rare. Bon, bah, pour l'instant, c'est plaisant, c'est plaisant, c'est plaisant. Le tas suivant. On a par exemple une reverse classique, une autre reverse. Oh, deux reverse, ça commence bien. Ah bah là par contre, ah bah les énergies, bonjour, je vais en choper un énorme gros tas. Alors pêcheur, énergie, énergie, une reverse encore, ce n'est pas une rare, mais ça reste une reverse. Professeur Orbe, Flambeauxard, Solopis, Géolite, tac, 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 Simularbe en reverse. Hop, le spray de XY Evolution. Luxio, Chapeau-en-feu, Tangalis, tac. Oh, joli Sulfura là. Je ne sais pas, c'est de 2016. Ratatak, XY Evolution, Magikarp de XY Evolution. Ouais, on va dire que je suis assez attiré par l'XY Evolution parce que ça me fait rappeler mes... Ouh, une holo. Ah non, je veux dire une reverse. Ça me fait rappeler mes toutes premières cartes Pokémon parce que j'avais commencé les cartes Pokémon bah, à l'époque où c'était sorti en France. Une autre reverse. Melodelf. Non, je pensais que c'était une rare Melodelf. Oh, j'ai énormément de cartes énergie dresseur là-dedans. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ce paquet de FIFA World Russia. À tous les coups, c'est que des cartes de foot là-dedans. Tac, 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 tac. Donc, il n'y a pas de cartes Pokémon. Bah, on va laisser là-dedans. On laissera toutes les cartes de foot là-dedans. J'irai récupérer ceux que j'ai mis dans la boîte à gâteaux. On va continuer avec cette petite Pokébox avec très certainement des belles cartes à l'intérieur. Attention, nous avons Salarcène qui est une rare. Allez hop, tranche. Oh, par contre, elle est explosée la carte. Ah, elle est morte. Elle est morte de chez morte. Pff, allez hop, ça fera un heureux. Alors, on a une rare ici. Oh, c'est quoi? Oh non, me dis pas que c'est une belle carte là. On dirait. Non, ça c'est pas le classe. Je sais pas c'était qui comme Pokémon. Et on a un morceau d'Arbok sur le côté. C'est mort, mais pourquoi? Oh, pff, encore des énergies. Pourquoi ils ont décidé de déchiqueter leur carte? C'est inadmissible, c'est dégueulasse. Tiens, on a une carte. Ça, c'est une carte coréenne. Mais au vu
Au vu de la qualité d'impression, c'est une fausse. Axolote, Miaouss, Bekikan, Moumouflon, Voltoutou. Ouh, Malamandre, une reverse. Je pensais que c'était une rare. Dommage. Tac. Poulpouf, énergie. Sors-moi une carte de fou, s'il te plaît. Mais vraiment une carte de malade mental qui me permettrait de crier comme un cinglé. Scalpion, non. Farfuret, Pourigo. Oh, mais allez, tout à l'envers. Chier. Voilà. Ouh, tiens. Corvaillus, qui est une rare. Roussil, qui n'est pas une rare. Tac, Grippat. Non, toi, tu vas là-dedans. Grippat, Trasco. Oh, c'est une rare. Parfait. Ouh, tiens, regardez. Regardez comme il est joli, Pikachu. Je le connaissais pas. C'est Pikachu de 2016, mais à mon avis, c'était une promotionnelle peut-être de McDo, parce qu'il n'y avait que 12 cartes qui étaient sorties de cette édition. Mais s'il s'agit d'une holo, je vais la mettre là-dedans. Parce que vous savez, il y a beaucoup de collectionneurs spécialisés dans les cartes Pikachu. Et qui recherche toutes les Pikachu sorties. Et ça peut les intéresser. Après, Pikachu, ça reste le Pokémon emblématique. On a Scarino qui n'est pas une rare. Hop, toi tu vas là. Batata, Épuisette. Bon, beaucoup de communes. Énormément de communes là dans ce lot. Allez, je vais devoir encore retourner ce lot là. Alors, Topicord Alola, Énergie, Doudouvet. Picasso, Snubul. Oh, mais attends, mais j'en ai marre de retourner les cartes. Tu t'as tout à fait. Ça, c'est une reverse. Tac. Tu vas là. Échange, Ratata, Para. Bon, et je me mène le fion. Toi, tu vas là. Gripat. Bon, toujours les mêmes cartes. Poissirène. Oh, Krabos. Il est beau, Krabos. Bon, ouais, je suis toujours attiré par les... Oh, sac de nœuds. Bah oui, toujours attiré par la première gêne. Oh, tiens, Pikachu Catcher. Je vais la mettre ici. Hop, l'attaque, Ortide, qui pue le fion. Je parlais par rapport à l'épisode Pokémon. C'est Piatros, qui est une rare. Hop, toi, tu vas ici. Et rien de mirobolant dans ce nouveau lot de cartes. Enfin, dans ce gros paquet de cartes. On va mettre ça ici, et on va passer à la Pokébox suivante. Ouais, bah, après, on ira calculer le nombre de cartes. Tiens, on va prendre ce petit tas maintenant. En plus, je récupère des Pokébox. Vous savez que les Pokébox, ça se vend à peu près 3 euros. Donc c'est toujours ça de gagner. Après, il y a des Pokébox qui peuvent valoir plus quand il s'agit d'éditions anciennes. Comme par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est plus, je dirais, 5 euros. Après, il faut voir l'état. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant dans ce nouveau paquet de cartes ? Floramantis, Énergie. Oh, tiens, un joli Pikachu encore. Allez, hop, je le fous de côté. Hop, on a tac, Chamallow, donc des cartes totalement classiques. Ah, mais allez, là, Vémini, Tentacruel, tac, Bagigan, une reverse de Cornèbre, ça va là. Ampliflore, tac, et encore là, je retourne dans tous les sens, ça me saoule. Oh, c'est une rare. Papillusion qui est une rare. Rakaillou, Porygon, Grenousse. Stélix, ah, Goopix. Oh, des XY évolution là. Oh, on est en train d'enchaîner les XY évolution là. Magnifique. Ah, ça c'était bien. Alors, oh, Polagriffe, une rare holo. Très bien. Aprini, Vemini, Blizzard. Oh, bah non. Par rapport à ce que j'ai déniché, ça vaut largement les 25 balles. C'est vrai que si j'avais trié sur place, j'aurais très bien pu acheter un lot pour 3-4 euros avec toutes les cartes les plus intéressantes, mais il n'y aurait pas eu cette surprise en vidéo. Donc c'est moins drôle. Hop, tac. Là, on a encore... Ah, ça, c'est le Pokémon Bougie. Oh, encore un Pikachu. Hop, tiens, voilà, Pikachu. Tac. Là, on a quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Le Kablifer. Ouais, bah, de toute façon, au vu du design de la carte, c'était sûr que ça allait être une rare. Oh, tiens. Oh, Magmar, il est trop beau, là. Le design, il est magnifique, de Magmar. En plus, c'est une reverse. Il est rouge pétant. Énergie, tactique et Mechalux. Ok. Alors là, maintenant, on va passer à ce qui se trouve à l'intérieur de cette grosse Pokébox. Et là, il y en a un petit peu plus. Enfin, j'espère qu'il y a du... J'espère qu'il y a du lourd là-dedans, parce que là, ça traîne. J'ai pas récupéré des cartes de fou, mis à part le Dracaufeu. Je vois encore du XY évolution. Je viens de voir un Ratata là. On ira le récupérer après. Je crois que j'ai vu une secrète de XY évolution. On verra si j'ai raison. Alors, Ninja, Amateur, des énergies. Oh, Voltorban en reverse. Oh, comme il est beau, comme il est chou. Il va exploser ce plouc. Magnétis, XY évolution. Là, je viens de voir Sablette. Oh, c'est Meganium. Meganium en holo. Oh, ça c'est cool. Non, ça, on s'en fout. Vémini, sac de nœuds.
Non mais j'adore ce petit Pokémon. Bon bah c'est dommage qu'il est faible. Mais il me fait trop marrer avec sa petite bouille. Tac, tac, tac. J'espère que j'ai pas loupé des cartes de fou, mais après tout, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là, Capitex? Ouais, encore des communes. Des communes, des énergies, des communes. Alors, énergie, communes, machin Star Wars, on s'en fout. Des panini, hop là. Les panini, je vais les trier, parce que je les mettrai tout dans le petit sac. Il y a même des cartes Star Wars là. Star Wars, Death Star, le pouvoir est en toi. Je sais même pas, ils ont sorti ces cartes Star Wars en quel honneur. En quelle année, j'en sais rien du tout, mais à mon avis, ils ont dû sortir ça quand il y a eu la sortie des Star Wars récents. Mais j'ai un paquet de cartes de moi moche et méchant, mais qu'est-ce que je m'en fous de ça? Et on a encore des cartes là. Oh là là, oh là là, là, ce sont les fonds de tiroir. Là, y a rien, là, rien d'intéressant là dans ce premier lot. Si, on a quand même Gamblast qui est une rare reverse. Ça va là. Et là, je vois Sablette encore. Hop, deux fois Sablette. Ça, c'est une rare. Ensuite, là, on a une reverse. Tac. On va mettre ça ici. Tac, tac, tac. Encore des énergies. Ça, c'est une rare. Oh, Fantominus. Tiens. Fantominus, il va là-bas. Tac, tac. Et là, je vois énergie. Ça, c'est XY évolution. Tac. Énergie. Énergie. Araka. Ah! En cocon fort. XY évolution. Oh! Oh, Rayquaza! Oh, Rayquaza! Oh, dommage, elle est pas holo. Oh, dommage, parce que ça, c'est un Pokémon vraiment emblématique. Ah, oh, j'aurais été content si elle était holo, la Rayquaza. Après, ça reste toujours sympathique de récupérer des Rayquaza dans les lots. Et Lionceau, ça, non, c'est même pas une rare, là, lui. Bordel, c'est même pas une rare. Tritox, tac, tic, tic, tic et tac. Et tac, regarde. Kangourex. Reverse, toi, tu vas là. Non, 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 ça, c'est XY évolution. Tac, c'est quoi ça? Je sais pas, ça pue. Oh, Machoke de XY évolution. Mais est-ce que ce sont tous des XY évolution ou est-ce que ce sont ou ce sont les anciennes? Non, non, ce sont pas les anciennes parce que elles sont trop propres pour être des anciennes cartes. Hop, Archéo donc qui va là. Non, ça c'est quoi? C'est Crustabri qui est une rare. Magikarp, encore une énergie. Regardez, Sarmorail, elle est belle la carte. Elle était dans sa protection. Hop. Machopper ou Léviator. Attends, non, 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 ça, le Samouraï, il va là. Hop, il va là. Le Persian qui va là. Et j'avais raison. Dodio d'Imakuni, c'est la secrète. La 112 au 108. Oui, bingo. Ah, bah, je suis tombé sur une secrète de chez XY Evolution. Ah, bah, ça fait partie des belles cartes trouvées dans ce lot. T'as rendu Zygarde, Nidorino. Attendez, fais voir Zygarde. Zygarde qui n'est pas une rare et je voulais vérifier Tarambule. Non, c'est pas une rare. Ok. C'est le dernier tas de cartes pour ce lot. On a Léviator. Oh! Eh mais je pensais pas que j'allais. Voilà, bah on a récupéré notre première ultra rare. C'est une gold! C'est une gold! Oui! On a récupéré une gold! Oh oui! Oh magnifique! On a récupéré une gold! Mais bon, c'est une énergie, mais ça reste une gold! Ah bah voilà, super, magnifique! Magnifique, je suis extrêmement content de ma vie. Starry, tac, encore du XY Evolution. Il y a eu beaucoup d'XY Evolution là dans ce lot. C'est très 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 plaisant. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des très très vieilles cartes. Non, parce que les plus vieilles, je crois que j'ai peut-être dû voir des cartes de 2012. Non, ça c'est une rare. Allez, dépêchons-nous. Dépêchons, dépêchons, dépêchons. Alors, Ectoplasma qui est une rare. Ouh, Noctali! Noctali, Noctali, mais c'est pas une holo, elle est abîmée. Pas bon. Pas bon, Berk, c'est pas super cool. Tant pis, c'est pas grave. Alors, vite, tac, tac, tac. Magnéti, Super Ball, Magnéti. Pharampt, c'est une rare, ça. Ça va là-dedans. Tac, 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 tac. Encore machin de foot, machin de foot. Oh! On a trouvé notre gold! Je plaisante, bien sûr. Alors, tac, tac. Ça va aller. Là, Guerraigle. Non, non, sois pas déréglé là, mon cher. Elexprink, tac. Alors attends, là, je suis en mode, c'est la fin. C'est la fin. Je suis crevé. Ouh, Poussifeu. En reverse, comme il est, non, holo. Ah, il est très chou. Encore un Pikachu. Je sais pas si j'ai récupéré ce Pikachu. Je pense que oui. Oh, encore des cartes qu'on s'en fout. Watt,
Ça, tac. Allez, allez, vas-y, vas-y. Mais non, mais yo, les énergies, ça va là-dedans, là. T'es bête? Allez, vas-y, sors-moi une carte de fou, là. Une grosse carte, vas-y, sors-moi un Draco Fudge XY Evolution, là. Putain, à moins que le gosse, il l'a gardé. Quand Pikachu, tac. Crisat. Oh! Mais c'est une fausse, ça! Ouah, t'as vu la fausse, là? T'as vu sa gueule? Poubelle, au feu! Hop, tac. Non, Grelasson. Tac, allez, non, allez, allez. Ouais, de toute façon, même s'il y a plus rien en carte de fou, on a quand même récupéré des superbes cartes. Et c'est que ça reste très plaisant, ce lot. Ce lot est très très plaisant. Maton Fion! Allez, Maton Fion, je me mène le Fion. Non, il n'y a rien de plus. Ben voilà. Je me suis dépêché parce que il n'y avait plus de batterie sur la caméra. Voilà. Alors du coup, j'aimerais que l'on compte vite fait le nombre de cartes qui se trouvent dans ce lot et essayer de faire une moyenne. Alors dans ce petit paquet se trouvent 50 cartes. Et à partir de là, on peut savoir combien de cartes on a récupérées. Donc je vais vous dire tout de suite. On va faire un énorme tas. Ouais, à peu près là, pour toutes les rares que j'ai, les rares holo, les XY Evolution, il faut bien compter une cinquantaine de cartes. Donc on va dire 50. Et du coup, voyons voir. Tac, voilà tout ce que j'ai pu récupérer dans ce lot. Ouh. Donc nous avons à peu près 450 cartes. Donc on est à peu près à 6 centimes pièce. Tout ce que vous avez pu voir, j'ai acheté le lot pour 6 centimes. Et encore, il suffit juste que je regarde à peu près la valeur de ce Draco Feu qui est par contre un petit peu abîmé. Mais je suis sûr que ça... Plus l'énergie gold et ma cogneur holo, enfin reverse, il y en a déjà pour 25 balles, je suis presque sûr. Bah, en tout cas, je suis extrêmement content d'avoir pu récupérer ce lot et de vous avoir proposé ce partage et cette découverte tous ensemble. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. À dimanche pour le prochain Vidgrenier Live, en espérant que je vais choper un autre gros lot de cartes Pokémon. C'était Astérion le Bon.